Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure horrifique sur Resident Evil 2. Nous sommes à l'épisode 12, on prévoit une bonne demi-heure ensemble. Et, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire, ça me touche énormément. N'oubliez pas non plus un casque ou des écouteurs, toujours mieux pour le son, ainsi que d'éteindre les lumières et de se mettre un maximum à mes côtés dans l'effrayeur à venir. Ce centre de recherche utilise une technologie de pointe afin d'assurer la sécurité des employés et des méthodes de travail efficaces. Pour entrer sur le site et en sortir, et pour manipuler certains équipements, les employés doivent utiliser un bracelet d'identification. Il existe trois niveaux d'accès. Le visiteur, l'employé et le cadre supérieur. Donc je pense qu'on est au niveau d'accès employé pour le moment. L'authentification se fait grâce à une puce électronique située dans le bracelet. Le niveau d'accès du bracelet peut être modifié simplement en insérant une puce différente. Des bracelets visiteurs peuvent être distribués aux familles des employés. Adressez-vous à la réception pour en savoir plus. Bon, on va faire un tour un petit peu dans mon inventaire. Magnifique inventaire que nous avons là. J'ai des munitions de lance-flammes, j'ai des soins, je suis de niveau 2, j'ai une poudre grande quantité, ça c'est plutôt pas trop mal. Est-ce que par hasard avec ça, bah oui, on peut se faire un petit plaisir. On peut vraiment se faire un petit plaisir, je pense. C'est parti, hop. Voilà, 30 balles, c'est pas mal. Oui, c'est même plus que pas mal. Là, on est bon, on continue. On va pas aller chercher le cadenas qui est au commissariat ou dans les égouts, ça fait très très loin. Et ça me fait peur d'aller aussi loin. On va continuer un peu dans ce labo. Si vraiment je frissonne trop, bon, voilà, vous me connaissez. On fera évidemment marche arrière. C'est parti. Direction le nest. Avec un joli centre de commande. Et on va voir ce qu'on peut ouvrir. C'est parti. Très bien. Oh, régale-moi. Enregistrement des forces spéciales. Ok. Alpha à Ghost. La cible se dirige vers la zone ouest. Il doit aller chercher le virus G et l'agent antiviral. Ici Ghost, compris, rendez-vous au point O3. Bien reçu. Ici Alpha, sommes arrivés à destination. Compris, attendez la cible. Ici Alpha, je vois la cible. Il s'apprête à ouvrir le coffre. Bien reçu, attendez le signal. Virus G en visuel, on entre. Docteur Birkin, vous allez nous suivre calmement. Virus G dans la zone ouest. Bon, Docteur Birkin, il casse un petit peu les coronets, si je peux me permettre cette petite expression. Donc, le troisième niveau... Ah non, on a un quatrième niveau pour descendre encore et encore et encore. Très bien. Donc, ici, c'est un niveau qu'on peut... L'accès à la passerelle est réservé au cadre supérieur. Ici, c'est un niveau qu'on peut atteindre, par contre, d'accord? Améliorer le bracelet, très bien. On va aller l'améliorer avant... Est-ce que je peux pas voir un peu ce qu'il y a là-bas? Non. Ah, c'est pour les passerelles, ok, aucun souci. Bon, bah direction là-haut les gars, on y va. J'ai pas encore le plan, je crois, du labo, attendez. Laissez-moi regarder. Vache, elle rigole zéro cette passerelle. Non, j'ai pas du tout, ah si. Non, j'ai pas du tout. Je pensais, j'ai pas le plan. Là, j'espère que Mister X va pas nous... Normalement, il peut pas nous follow. Vu qu'il y a un système de passerelles, je pense qu'il peut pas nous follow. Parce qu'à tout moment, je peux retirer la passerelle, vous voyez ce que je veux dire. Ce serait étrange. Je sais plus trop. J'ai des doutes, je suis rempli de doutes. Ok. Vous êtes très nombreux à dire, Baby Boy, on voit pas grand chose dans les vidéos. Moi, il faut savoir que j'ai paramétré la luminosité en fonction, parce qu'il y a des tests à faire évidemment. Tout est bien calibré, d'accord? Donc, vous voyez ce que vous devez voir. Si je mets trop de luminosité, vous verrez même dans le noir et il y aura plus de peur, il y aura plus rien. Donc, très clairement, j'ai fait des réglages, je pense, optimales. Ah, point de save, très bien. Ça, ça sent rarement bon. Une poudre noire, très bien. Ça, ça sent rarement bon. On va la laisser là-bas. Ouais, bah écoutez, on va save. J'ai l'impression de peut-être avoir beaucoup trop de trucs... beaucoup trop de trucs sur moi. On va peut-être poser les paralysantes, plus les grenades sur le coup. Paralysantes, je suis pas sûr de vraiment les utiliser à l'avenir. Là, il peut pas y avoir Mister X, je pense pas. Hein. Hop, ça, ça dégage. Et ça, ça dégage. Et puis on va retrier, voilà. On est bon, on a libéré deux places, c'est plutôt pas trop mal. Ici, y a rien. Deux portes, bon. Ok. On va commencer en ordre. Ah! What the fuck? Monsieur?
Il a quoi dans la main? Il a la puce, il a le bracelet. Il a totalement le bracelet. Bon sang. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, il y a des choses à pas savoir, mon ami. Ils vont devoir brûler en enfer, c'est terrible. Là, on a un ordinateur, tiens donc. L'accès à l'ordinateur est réservé au cadre supérieur. Je voulais pas gêner. Wouah! Waouh. Ok. Bah, on va aller à l'autre porte. Oh, les plantes, j'aime pas ça, hein. Ça pique. Et ça empoisonne. Ah. Allez. Bon, bah, on va aller aux plantes. Aïe. Ils vont pouvoir m'empoisonner, je pense. Ça sent pas bon, ça. Hein. Je vous le dis, les gars. Bonjour. Ok. Lui, il va tomber. Allô, monsieur? Je te touche? Hop. Eh non, je passe à travers. Ok. Il y a des bruits chelous, frérot. Hein. Ok. Quoi? What? Putain, merde. Wouh! Ok. C'est bon. Oh putain, non! Je vais devoir à chaque fois niquer leur point faible. Oh, ça va être terrible. Oh, ça va être terrible. Ok. Je me suis débarrassé de flash, je sais pas pour en récupérer. Ok. Qu'est-ce qu'on a là, mon frérot? Pulvérisation de solution en cours. Oh là. C'est quoi? C'est pour dissoudre les mauvaises herbes? Une cartouche? Une cartouche servant à répandre diverses solutions dans la serre. What? Des solutions de quoi, frérot? Moi, j'ai... Je ne comprends pas. Ok. D'accord, c'est totalement... Ça déverrouille une échelle. Ok. Bon bah les gars, on va devoir y aller, tout simplement. J'ai la clé, je ne sais pas si c'est une bonne idée. On va découvrir ce qu'on a fait tout de suite, une plante. Bon! Oh la vache. Oh. Là-bas, il y a un cul-de-sac, j'y vais. Hop. Ça mène à rien. Là-bas, j'ai vu une plante. C'est quoi ces bruits, frérot? Ok. Ok, c'est très très dur. C'est très très... Oh, c'est beau jeu, ça! Le joueur franc-hongrois! J'ai pas peur. Voilà, mon pote! Magnifique, sublime. J'aimerais qu'on applaudisse dans les commentaires. Ok, on a une nouvelle porte. Bonjour. Très bien. Oh, c'est beau. Ah putain, il y a un signe. Ok, deux carrés. Un long carré. Ok, deux comme ça. Un long rectangle, pardon, excusez-moi. Bonjour monsieur. Vous êtes sublime, merci pour cette grenade. Très très bien. Bah écoutez, les amis, j'ai envie de vous dire... J'ai envie de vous dire qu'on va se faire des petites cartouches. Au calme. Ok. Normalement, j'ai la forme en tête. Normalement, ça devrait le faire. Mais avec des normalement, malheureusement... Ça se passe jamais comme prévu. Donc c'était ça. C'était ça. Ah ouais, mais il y en a deux entre... Ah oui, d'accord. Ah ouais, non, je peux pas... Non, c'était plus lui, je crois. C'était plus... Il était plus gros. Ouais. Ok, ça sert à rien pour le moment. J'ai pas la suite. On continue. J'ai une capsule de produit, voilà, à tout moment j'asperge un max.
Très bien. Ah! Oh putain, pardon. Wesh. Vous avez beaucoup de pistules. Okay. Je sais que ça doit faire mal. Ok. Faut pas de foire, hein. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, les potes. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai tiré. Ok. Échelle. Ok, signe pause. Deux cubes, clé, pause. Y'a que moi qui peux me comprendre dans cette situation. Ah ! Putain ! Horrible ! On dirait en plus la meuf de The Grudge ! Ok. Non, c'était l'autre. What ? Mais non, je suis débile. Non, c'était l'inverse. Je suis un monstre. Allez, go. Ça, c'est fait. Bon. Après, je peux retourner en arrière, hein. Je peux clairement retourner en arrière. Je sais pas. C'est des escaliers, je sais pas où ça mène. On va... Ouais, non, c'est chiant. Eh frérot, tu sais quoi? La loi, c'est moi, mon pote, et ça, tu vas l'apprendre. Bon. Ça mène où, ça? Où ça mène? Ah! Ah oui! Ceci est fort problématique, n'est-ce pas? Ok. Plan du labo! C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal non plus. Petite poudre. Une grosse poudre même. On va pouvoir se faire des balles, ça c'est cool. J'ai plus de place. J'ai plus de place, mes frérots. Mais on doit y aller. On a un... What? Non, les gars, je... Ouais. Ok. On va revenir, hein. Si ça vous gêne pas. On va finir de visiter la serre. Ça commence à faire beaucoup, là, je vous avoue. En termes de découverte. On va calmer... Ah! Mais qu'est-ce que c'est que cette... Oh, mais ça repousse, en fait. Ils reviennent à l'infini, je crois, c'est con. Il y a vraiment totalement l'infini. Faut que je mette ma super solution. Yes. Erreur. Cartouche vide. Hop, ça dégage totalement. Veuillez la remplir avec une solution. Ok, je vais trouver une solution. Oh là là. C'est incroyable. Ils vont venir à l'infini, je pense, en vrai, vraiment. Je pense qu'ils vont totalement venir à l'infini. Donc on va se faire des balles et on arrête les demi-tours à partir de maintenant. C'est parti. Je pense qu'ils vont vraiment venir à l'infini. Vous avez vu que ça repousse. Ok. Bon, ça me plaît pas. Donc on va prendre ça. On va combiner avec ceci. Putain, mais c'est tellement aléatoire en vrai. Ça. Attendez. Voilà. De toute façon, j'ai assez de plantes, j'ai assez de tout. Ok. On va combiner avec ceci. Et ensuite... combiner. Allez, hop, ça dégage. On est pas mal. Hop, on libère par la même occasion deux places. Non, parce que ça, très honnêtement, ça me gonfle d'utiliser mes balles de pompe pour ces conneries. C'est pas ma guerre, mon pote. Donc c'est parti, on va jusqu'au bout cette fois les gars. Ça va se relever en balle, hein.
C'est bon, j'ai compris que vous étiez mortel, les gars. Il n'y a aucun souci. Pas besoin de me le répéter. Allez, on y va. C'est bon, j'ai compris. Il y en a plus qu'avant. Wesh. Ça doit. Je ramènerai ça en enfer, les gars. Non, j'ai pas utilisé plus de balles que ça. Ah! Ok. Donc tout se passe vraiment en bas. Très très bien. C'est pas grave, ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Le coup de la grenade est pas mal. 3 KO d'office. Bon, en haut, ça repop à l'infini. Hein. En haut, je peux vous dire que c'est Disneyland. Entrée gratuite pour les moins de 12. Donc on va calmement continuer par ici. Et on a la salle des serveurs. On va commencer par la salle des serveurs. Ça paraît très sympa, les serveurs. Yes, il n'y a plus d'énergie, évidemment. Mon ombre. Mon dieu. Très sympa, ça aussi. Terrible. Vous avez la dalle ou quoi, les gars? Il se passe quoi? J'ai fait quoi? J'ai du miel au cul? Ah ouais, mais c'est tellement évident que vous alliez vous relever. Ouais. What? Je rigole. Ok, les gars. Là, vous commencez vraiment à me gonfler. Distribution de balle. Ok. Non, les gars, c'est trop. Ok. On a quoi? Super, un trophée. Toujours rêvé d'avoir un trophée. J'ai lancé le jeu pour ça, à la base. Je me suis dit, putain, j'espère que quand même, dans l'épisode 12, on aura au moins un trophée, quoi. Putain, sérieux. Attends, il y a forcément un truc dessus, non? Ouais. Ah! Très bien. C'est la solution qu'on avait besoin. Murph. Murph. Ça ne veut rien dire. C'est bon, j'ai compris. On va tout fouiller. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un café, gros? Attention, hein. Pas très bon pour la santé, tout ça, monsieur. Génial. Monsieur, c'est terrible, mais là, il faut mourir. Merci. Ok, on continue. Ah! J'ai peur. Hop, grenade. Yo! Calme-toi, Starkey! Putain, c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il fait? Fait des bails chelous aussi, lui! Non, les gars, oh! Va falloir me respecter ici, hein! C'est terrible. Plus personne n'a aucun putain de respect pour moi. Oh, ils m'ont fait tellement peur. Ok. Ah oui, des escaliers, hein. Toujours plus bas, toujours... Ah, on peut pas. Ah, je vais devoir remettre l'énergie en haut. Oh là là. On va marcher, on va marcher.
si jamais il y a un nouveau liqueur, au moins, il me sautera pas dessus. Ok. Il était pas trop chiant, lui, ça va? Oh là là. Quelle situation vous me mettez, les mecs? Ok, on va continuer par ici. Je sais pas du tout où ça mène. Une petite save, ça me ferait plaisir, la famille. Hein. Ah! Putain. Putain de merde. Ah ouais, mais ça, je te le fais pas dire, Léon. Il a pas l'air mort. Hein. Voilà! Putain, c'est pas vrai. Ok. Non, les gars, vous êtes terribles. C'est terrible. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Très bien, c'est pas mal ça. Enfin, putain. Qu'est-ce qu'on a là? Note anonyme. Ils se sont tous transformés en des sortes de plantes. Ils reviennent sans cesse, encore et encore. Brûlez-les. Brûlez-les jusqu'à ce que leur corps soit carbonisé. Ah putain, le con. J'y avais tellement pas pensé. Modulateur de signal. Très bien. Et ben on va brûler. Y'a quoi encore, les gars? Oh, porte verrouillée. Trop bien. Plus beau jour de ma vie. Ok. Bah attendez, parce que mine de rien, il y a quelque chose qu'on a toujours pas fouillé derrière. Oh là là, ferme. Désolé. Quelque chose qu'on n'avait pas fouillé là-haut. L'autre, il s'est relevé, hein. On sait jamais. C'est pas une balle de gâché. Ok. On fait marche arrière. J'ai trouvé quelque chose de potentiellement intéressant. Bon, il restait une dernière pièce à faire ici. Et c'est une porte verrouillée. Et c'est une porte verrouillée aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Un panneau électrique. Est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous pensez que sur le panneau électrique, justement, le moduleur passe? La logique voudrait que oui. Putain, les liqueurs s'ils sont même ici, c'est terrible. Est-ce que vous pensez que là... What? C'est pas très sympa. On s'en va. Bougez pas, parce que là, il y a tellement de plans, de trucs à regarder. C'est terrible. Hein. Faites toujours des pièces plus grandes. Ok. Et faut que je passe dans la serre. D'accord, j'ai juste à carboniser. Putain, j'y ai pas pensé. Ça paraît tellement évident, pourtant. Pour le nombre de fois où je les ai mis à terre, c'est terrible. Ok, c'était par là. Je t'ai pas oublié. Arrête de crier. Voilà. On verra le reste plus tard. Bon! Et ben nous voici à la caisse départ. Très très bon. On va save. C'est parti. On va voir un petit peu les balles qu'on peut se créer. Ça serait pas mal. Et puis on va pas tarder à s'arrêter. On va ouvrir un panneau. On va débloquer un peu la suite. Et ça me paraîtra déjà un bon pas. Ah, dur. Ok, je suis obligé de le déposer. Très bien. On y va. Bougez pas parce que je crois qu'il y avait totalement PC cadre supérieur. Terminal de contrôle, totalement. C'était ici. PC, terminal de contrôle. Attendez, on va ouvrir l'accès déjà. Ouais. Ok. Une dernière à l'épaule, une petite épaulée, on n'en parle plus.
Oups, ça brûle, hein. Oh putain. Ah, il faut mourir, hein. Vraiment mourir. J'ai l'impression de faire ça pour rien, putain. Ah non, c'est bon. Eh ben, vous êtes gourmands, mes coquins. Ok. C'était par ici. Alors, il est temps de regarder le dessous. Très bien, carré, rectangle. Ah non, c'est petit rectangle, gros rectangle, cube. Je comprends. Allez. Très très bien, très très bien. Écoutez, on va y aller, hein. on va pas tergiverser. Quelqu'un a quelque chose à rajouter ou pas? Parce que c'est maintenant. Écoutez. Un max de feu. Voilà. Putain, le bruit qu'ils font, quoi. Faut vraiment mourir. Merci. Ok, ils reviendront plus. Nickel. Très très bien. Bon, on en était où avec ces conneries? On en était totalement au labo de test de médicaments. Qui va nous permettre sûrement de remplir un échantillon. Oh! Synthèse d'herbicide. Synthèse d'herbicide pour plante 43. Placez une cartouche vide dans le distributeur. Injectez le volume nécessaire et refroidir immédiatement. La croissance de la plante 43 est phénoménale. Si jamais un accident venait à se produire, elle pourrait échapper à notre contrôle. Si c'était le cas, fabriquez l'herbicide à l'aide des instruments ci-dessus. Pour minimiser les dégâts. Allez. On va minimiser un maximum de dégâts. Si ça vous gêne pas. Allez, fais-moi... régale-moi. Mode manuel activé. Ouais. Ajustez le volume de solution en fonction de la cartouche. Ok. Ah non. J'ai rien compris. C'est terrible. Ok. Ah non, j'ai peut-être compris. Enfin, je fais genre j'ai compris. Mais... Très bien. Je pense être le boss. Quoi? Je pense totalement être le boss. Oh yes. Je suis un monstre. Ok. C'est très long. Bon. Ça, c'est fait. Ensuite, on va acheter ça. Ça me sert à rien. Jeter, bah oui, à ton avis. Oh là là, j'ai presque... Eh les gars, j'ai plus de cartouches. C'est terrible, hein. On vit un sale moment, hein. Une sale période, hein. Je
pense retourner aux égouts, hein. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ok, il y a eu un bruit, Allez, on y va. D'accord. Erreur. Température de la solution. En dehors des limites acceptables. Il va falloir que je refroidisse, si j'ai bien compris. En dehors des limites acceptables. D'accord. Mais alors, je la refroidis où, ta merde? Explique-moi, là. Explique-moi ton projet. Quelqu'un a un projet, là, tout de suite? Très bien. On va repartir en arrière. De toute façon, il n'y a plus de danger. J'ai mon chemin, assez safe. Donc ça va. Ça m'a utilisé pas mal de feu quand même. PC, je peux toujours pas l'utiliser. Par où passer? Attendez, parce que j'ai souvenir qu'il y avait un autre module. Je pense qu'on devrait y aller. Ah, mais oui, mais il était totalement dans l'autre laboratoire. Il était là, la salle de la sieste. Très bien. On va save. Donc faut faire marche arrière. Bon, écoutez, je crois, j'en suis même sûr, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je suis dans une merde incroyable. Mais au moins on se rapprochera des égouts. Je pense que prochain épisode, on va retourner aux égouts pour ouvrir un casier et continuer à la salle de la sieste. A bientôt tout le monde, portez-vous bien, ciao ciao.